Bienvenue chez moi. Actuellement, c'est la saison hivernale. Mes pilotes sont en entraînement. Ils revisitent la série, appréhendent les nouvelles évolutions, dessinent chaque jour un peu plus le futur ruban. Parmi eux, en 2011, Cédric, Guillaume, Philippe, Gauthier, Paco, Jean-Noël, Sylvain, Ludo, notre remplaçant, et Antoine, dit Tonio. Antoine, c'est son job, vous le dire. Je vais dire au leader, il va encore m'ennuyer. Je suis la patrouille de France. Bruno Bézier est mon directeur. C'est un outil de combat. C'est un peu comme une escadrille en son temps. C'est une petite entité qui, chaque jour de la saison, part au combat de la communication. Ce que l'on connaît, ce que l'on reconnaît, ce que l'on retient toujours et tout le temps, c'est la patrouille de France. C'est elle qui est finalement l'artiste. Artiste bien évidemment alimenté de pilotes chevronnés et qui ont fait effectivement ce travail pour arriver à ce niveau-là, de mécaniciens qui leur donnent la possibilité d'arriver également à ce résultat par le soutien quotidien à cette mission. On peut bien parler d'une personne, la patrouille, c'est une icône, c'est un drapeau, c'est un symbole d'excellence. Le cœur de la patrouille de France est justement dans le cœur de beaucoup de nos concitoyens. Il y a beaucoup de passionnés d'aéronautique et même plus largement qui se sentent associés à cette équipe, je crois. Voilà. Elle est peut-être là, ma mémoire, gravée sur quelques photos. Si j'attire votre regard, si j'attise votre curiosité, laissez-moi vous entraîner dans l'une des aventures qui a marqué mon existence. C'était hier, c'était en 2009. The engines are on. 4, 3, 2, 1. Je vous présente Soubi, notre leader 2009. Le 17 août, ouais, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que je savais que ça allait être difficile. Ça l'a été. Hein. Et c'est vrai que sans cette équipe, les choses n'auraient pas pu se faire. Donc j'étais pas tout seul, loin de là. Non, nous ne sommes pas seuls. Les transporteurs et Nico, le chef d'escale, sont là pour soutenir le groupe. Et nos quelques 25 tonnes de fret. Il a grandi. Bonsoir. Thierry Provin, notre directeur, a pris place à bord du Zéro. Pour Giorgio, restent les petits détails. Ginny, le charognard, devra compter sur Fred pour ajuster sa May West. En revanche, Willow s'en sortira tout seul. Un dernier coucou avant le départ, pour une destination lointaine, semble-t-il. Un tour du monde, en fait. Si on mettait à plat la tournée, ça faisait aux alentours de 50 000 km. Donc. Et puis pour faciliter les choses, on partait de Moscou. Ce qui n'est pas quand même le même sens pour redescendre après à Santiago du Chili. Ça y est, on a quitté Salon, on a quitté nos familles et on ne reviendra à Salon de Provence que d'ici 2 mois. Notre présence ici à Moscou, c'est le coup d'envoi de cette tournée. Très important que la France y soit représentée et bien représentée. Cette année, il y a bien la patrouille de France et le Rafale. C'est
c'était assez motivant de se rendre en Russie pour la première fois. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a une amitié franco-russe qui est forte. Une bonne communion avec le public russe, puisque ça s'est très bien passé. On a eu les plus vives remerciements et applaudissements pour la démonstration. Les Russes sont des gens attachants, c'est un vrai peuple avec une vraie histoire. Et donc on en a un exemple parfait, les gens applaudissent, ce sont des gens passionnés d'aéronautique. C'est vraiment un grand et beau souvenir que toute l'équipe garde de la Russie. Il doit y avoir 100 000 personnes aujourd'hui présentes. Donc je pense que c'est vraiment une plus-value pour l'armée de l'air française d'être ici, oui. Ça reste la grande dame, c'est un outil politique parfois, une belle ambassadrice je pense, et ça a été très fort pendant cette tournée 2009. Effectivement, là, il y avait cette idée de soutien d'export, que ce soit les pilotes, leur savoir-faire, les mécaniciens, leur savoir-faire aussi, puisque tout le temps, on avait des avions qui étaient prêts et qui étaient réparés. On reste professionnel, vraiment, on essaye en tout cas jusqu'au bout, et c'est pour ça qu'on peut utiliser la patrouille de France sous toutes ses facettes. Les gens savent bien sûr qu'en arrivant à la patrouille de France, la mission de représentation est très importante. Ils se doivent, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour représenter la France et être de véritables ambassadeurs. Cette grande dame, c'est déjà la vitrine de l'armée de l'air, hein, puisque elle est vraiment exposée partout au-delà des océans. En termes de technicité, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire comme travail. Chaque meeting, j'ai la tête en l'air pour les voir évoluer parce que je suis toujours abasourdi par les qualités techniques et artistiques de la patrouille de France. Moi, j'ai l'habitude de travailler un petit peu en solo, donc c'est d'autant plus vrai que j'admire leur travail collectif si proche les uns des autres. Max, c'est le salon du Bourget russe. En quelques chiffres, c'est 700 exposants, 500 000 visiteurs venus du monde entier pour assister aux plus belles démonstrations aériennes. La concurrence est rude pour nos équipes qui sont, quoi qu'il en soit, habituées à gérer ce type de pression. Même si des éléments imprévus sont venus un peu perturber leur concentration. La Russie, c'est un pays où il faut être patient. Et puis là maintenant... S'il vous plaît. Passport. Normalement c'est un mouvement d'horloger, d'horlogerie, mais il y a des grains de sable quand même de temps en temps, et ici à Moscou on en a eu quelques-uns au niveau de l'organisation. Il réalise un quart d'heure avant la mise en route des avions qu'il faut les papiers, il faut en gros inscrire ce qui va être réalisé en vol. En plus des difficultés météorologiques, c'est vrai qu'on a été confronté à ça, et c'est vrai qu'il y avait des lourdeurs administratives qui ont fait que ça n'a pas été facile. Et puis la France et la Russie, c'est quand même, notamment au niveau aéronautique avec le Normandie-Niemen, c'est quand même une relation particulière. Et ça, ils nous l'ont fait sentir. Et le public était chaleureux, donc on oublie toutes les difficultés administratives qu'on peut rencontrer là-bas. Et on prend plaisir à faire le vol pour eux. On a même fait un passage aux couleurs de la Russie, je m'en souviens, c'était particulièrement apprécié. Les rapports humains sont compliqués, donc parfois un petit peu houleux, mais c'est tout le sel de la vie. C'est une unité pour ça où on découvre de vrais gens, et c'est ce qui est important. Et
bientôt ça roule par la droite pour la 23 en 13 espacés avec 1024 le QLH et le leader et le 3 qui déclassent. C'est par là-bas. C'est par là qui fait dans le trou bleu là-bas. Faut qu'on passe dans le trou bleu qui est là-bas. Et après, on va voir Céline. Céline. J'espère qu'elle sera là pour nous accueillir. Et avec René son Junior, mari René. Et René Junior. Attends, check. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tours. La caravane s'ébranle à nouveau pour ce qui restera comme l'un des plus beaux transits de cette aventure, le passage vers le Nouveau Monde. C'est un spectacle à couper le souffle. Sous mes ailes défilent les paysages immaculés du Grand Nord. Les fjords succèdent aux étendues glacées avant de plonger dans l'Atlantique. C'est un pur moment de magie où chacun, ou presque, se prend à rêver. Tel un chien de berger, le Falcon est à son poste. Il m'ouvre la route par-dessus l'océan. Les côtes canadiennes se profilent à l'horizon. Et là-bas, le Saint-Laurent que je vais remonter jusqu'à Québec. C'est la deuxième fois que je me rends au Canada. La première, c'était en 1986, à Vancouver, sur la côte ouest. C'était pendant l'exposition universelle. Mais cette année, c'est un peu différent. Déjà parce que c'est Québec, avec tout ce que cela comporte comme symbole. Mais aussi parce qu'en 2008, à l'occasion des 400 ans de la ville, je n'ai pu m'y rendre. J'espère que nos cousins ne seront pas trop froissés et qu'ils apprécieront le spectacle que toute l'équipe va leur présenter. Bienvenue Québec, fais-toi y apprendre. De France, l'équivalent des Snowbirds, si vous voulez, qu'on connaît bien, qui nous donne de magnifiques spectacles aériens, est à Québec en fin de semaine. Vous avez déjà vu la patrouille en évolution? Oh, à Vancouver, il y a bien longtemps. Oula, ça s'en remonte à 1986, ça? À peu près, oui. À peu près. On avait un très, très beau spectacle. C'est pas mal dans les meilleurs qu'on a vus. On a eu l'occasion d'avoir les Red Arrow l'an passé, ici à Québec.
mais je pense qu'ils vont les surclasser. Le spectacle est prévu entre midi et 13h samedi. Avec moi en studio, M. Thierry Provin. Il est directeur de l'équipe de présentation Patrouille de France. Bonjour, M. Provin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très, très bien. Bon. Très heureux d'être présent avec vous ici au Québec. Oui, on est très, très heureux de vous entendre aussi. La Patrouille de France va nous présenter un spectacle aérien dans le ciel de Québec. Nous anticipons beaucoup ce spectacle qui est attendu par les amateurs de spectacles aériens à Québec. La dernière, il devait venir ici. Vous n'avez pas été un peu déçu? Je pense que la Patrouille de France manque un peu. Bon, c'est sûr que ça manque un petit peu au rendez-vous. Ça aurait été agréable de les voir en même temps que les Américains, les Francs et les Anglais. Là. Mais que voulez-vous? Les obligations étaient hautes pour nos amis français. Donc, c'est pas trop grave. Ils se reprennent cette année et en beauté. Ça n'a pas eu lieu l'an passé, mais pour notre 401e anniversaire de la Ville de Québec cette année, vous êtes présent et on est très fiers de vous voir ici aujourd'hui. Mais vous me faites penser un peu à une grosse équipe de Formule 1. Il n'y a pas que le pilote et sa voiture. Il y a des mécaniciens probablement et toute une batterie de membres de l'armée française qui sont avec vous. Tout à fait. Ouais. C'est le triptyque avion, pilote, ouais. Mécanicien. L'un sans l'autre, ça ne pourrait pas fonctionner. Ouais. Eh bien justement, les mécaniciens, que se passe-t-il sur le parking pendant que les pilotes sont accaparés par la presse québécoise? Première chose qu'on fait, oui, c'est de ranger un peu nos affaires pour dégager un peu la zone, parce qu'après on va tomber les bidons et les poutres, donc faut que la zone de travail soit dégagée, quoi. On range les cabines, donc ça c'est fait, on range tout le matériel à l'intérieur, le casque du pilote, ses affaires pour le prochain vol. Et ensuite on fait le tour avion. L'idée, c'est de sortir tout ce qu'il y a dedans pour la prochaine série, d'enlever les bidons, et puis de ranger le caouet, j'espère. Ouais, j'ai un passager clandestin, la classe. Dans ces cas-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la priorité? Bah, faut le vacciner, puisqu'il est clandestin. Hier, Thierry, qui est votre directeur, est venu prendre la parole et il a nommé toute l'équipe de pilotage et le leader, la personne qui est au second solo, leader solo, extérieur droit, gauche. Et il est arrivé à Virginie, et moi je ne connaissais pas les titres, il est arrivé à Virginie, la première française à être pilote dans l'équipe. Et il l'appelle la charognard. Le charognard pour la position l'équipe. Alors, j'ai dit, pourquoi Thierry, il fait ça? Et là, Marc, qui est l'adjoint, il m'a expliqué, pourquoi c'était cette appellation-là. Et ça m'a soulagé un petit peu parce que... Une petite explication s'impose en effet. Cette année, Virginie est numéro 4 dans la formation. Le barbarisme charognard existe de par la position qu'elle occupe dans la patrouille. Située en plein milieu des 8 Alpha Jets, elle colle au leader pendant toute la série et reproduit ses évolutions. De par sa proximité avec lui, elle reçoit ses fumées en pleine figure, qu'elle mange littéralement. C'est comme cela qu'est apparu le terme de charognard, pour nommer le poste occupé par le futur leader au sein de la patrouille de France. Je suis convaincu qu'à cette heure-ci, vous faites les nouvelles locales à Québec. Et c'est toujours un plaisir que nous, les citoyens, on a de voir voler des équipes comme la vôtre. Alors, bienvenue à Québec. On vous remercie chaleureusement d'être ici. J'espère que c'est la première fois, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. Mon nom est Robbie Moreau. Vous êtes sur les ondes de Québec 800. C'est l'émission spéciale de la patrouille de France. Nous adorons vous appeler nos cousins et je pense qu'on a essayé de vous le prouver. Moi aussi, j'aime bien entendre ce mot-là. Ça fait chaud au cœur et ça me réchauffe aujourd'hui avec la température qui est un peu fraîche. Mon colonel, je vous souhaite un bon spectacle. Bonne journée. Merci d'avoir accepté de nous parler. C'est un grand plaisir et puis merci pour votre accueil dans cette magnifique ville de Québec. Vous avez parlé avec ces gens-là dans les rues, vous avez l'expérience. Est-ce que pour eux autres, je vais prendre l'expression « setup »,
Est-ce que c'est un des endroits qu'ils aiment vraiment à travers le monde? Est-ce qu'on est choyé à ce niveau-là? J'ai jasé avec ces gens-là après une petite réception à la mairie de Québec hier. Ils sont enchantés de Québec. Et je pense qu'ils n'étaient pas juste polis. Je pense qu'ils étaient sincères. D'après l'étoile dans leurs yeux, là, ils ont apprécié voir Québec. Ils ont été vraiment heureux de leur séjour à Québec. Il y a eu du beau temps, à part d'aujourd'hui. Ils trouvent ça frais un peu, mais ils se sont mis une petite laine, comme ils disent. Et voilà. C'est la première fois que la zone face au château Frontenac, juste au-dessus du Saint-Laurent, accueille une présentation aérienne. Et c'est moi qui vais l'inaugurer. Quel bonheur, mais aussi quel honneur. Bien sûr, cela ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu travailler en symbiose avec les services officiels canadiens que Thierry, Soubi et Marc ont rencontrés l'avant-veille de la présentation, afin de caler le bon déroulement de cette série qui, j'en suis sûr, restera dans les annales. Et depuis plusieurs mois, on communique régulièrement avec la patrouille de France pour établir les bases pour une présentation spectaculaire au centre-ville de Québec, dans un milieu tout à fait naturel, vis-à-vis de notre beau château Frontenac, au-dessus du fleuve, où il y aura des milliers de personnes qui viendront voir la patrouille de France. Nous en sommes très fiers. Au niveau régional et au niveau local, tous les officiers concernés de tous les ministères, de toutes les agences, ont permis que l'on dessine des plans. Et lors de l'arrivée de la patrouille de France, nous avons eu le privilège de leur présenter ces règles de jeu-là qu'ils ont acceptées. Ils nous ont fait part de leurs demandes, qui étaient très raisonnables et que l'on a acceptées également. Alors, le mariage est parfait et on va avoir une fin de semaine merveilleuse sur le beau soleil, mais frais, de Québec. Nos hôtes sont vraiment formidables. Profitant du fait que Thierry, Soubi et Marc soient à l'aéroport pour leur organiser une rencontre avec leurs homologues canadiens, les pilotes de la patrouille des Snowbirds. C'est un moment unique, un de plus, mettant en scène les mêmes passionnés. Les avions et les uniformes sont différents, mais les sujets de conversation sont évidemment les mêmes. Quand deux pilotes de patrouille acrobatique nationale se rencontrent, ils se parlent de quoi ? Bah, qu'est-ce que tu crois d'avion, quoi ? Ouais, non, ouais, on se parle d'avion et puis on partage nos expériences. C'est vraiment sympa, moi, je trouve, hein, de voir comment ils bossent, de voir à quoi ressemble leur saison, à quoi ressemblent leurs avions. Et puis on s'aperçoit qu'on a les mêmes centres d'intérêt, donc c'est vraiment sympa. Notre spectacle influence Montréal, pour une fois. Au centre de contrôle de Montréal, il y a des contrôleurs qui travaillent très fort à surveiller les écrans radars pour pas qu'il y ait d'intrus dans le bloc d'air que je vous parlais, c'est-à-dire qui mesure 6700 pieds de haut. Pas de chicane avec Montréal, le temps d'un spectacle. Pour avoir les derniers renseignements. C'est une grande fierté pour nous d'effectuer cette démonstration face au château Frontenac. La fumée, top! Ça va très bien. Voilà, mesdames et messieurs, premier passage public en formation diamant. Fumée coupée, top! Tonneau, top! Pour un dégagement intermédiaire en deux top, cadence! Alors, on fait comme ça. Exactement, le parfait, top! Cadence! Québec où on faisait la démo sur le Saint-Laurent, là, entre Québec et je ne sais plus comment s'appelait la ville de l'autre côté, là, où là on était quasiment au niveau du public puisqu'ils étaient un peu surélevés. Et donc là c'est vrai que c'est une façon différente déjà pour le public de nous voir et puis nous de voir le public aussi. Et ça j'avoue que c'était un bon moment, j'en garde de bons souvenirs. Ouais. La fumée blanche a cédé la place à la couleur. Attention pour les photos. 3, 2, 1, croisement et 8 morts. Un pied pour un Big Bang, on a 3-3. Big Bang, top. Et Big Bang, top. La fumée est top. J'ai 500 pieds, 3-2. Pour les mines à dos et l'intérieur, top. Et de retour pour la chérie. Paris, top. Mise à tranche, top. À la gauche, j'incline. Alors, 500 pieds, top, call. Paris, top. Et voici qui revient. C'est simple, il y a le leader, c'est la grande aiguille. Et le second solo, la petite. Tic. Tac. Le poutre.
premier top. Un éclatement final en 3 top, exactement top, top et top. C'est nos amis de la patrouille de France qui sont venus de l'autre bout de l'Atlantique pour vous présenter ça. Et c'est absolument extraordinaire. Mon nom est Robbie Moreau, vous êtes sur les ondes de Québec 800. Merci honnêtement à tout le monde qui ont été présents, qu'on remercie et on salue les gens de la Rive-Sud. Donc, on s'arrête, vous êtes sur les ondes de Québec 800. C'est l'émission spéciale de la Patrouille de France. Et quel spectacle on a eu droit! On peut dire un mot, wow! On voulait quelque part se racheter du fait qu'on n'ait pas été là pour les 400 ans du Québec. Et ça a fonctionné. Et c'est là où on voit que la Patrouille de France, c'est une arme diplomatique incroyable. C'est une arme diplomatique incroyable. Ça, au-delà de représenter les pilotes de chasse et leur savoir-faire, ça représente la France tout simplement et une volonté politique. Et là, c'est de cette façon-là que ça a été interprété au Québec. Et toutes les interviews que j'ai pu donner au Québec, on m'a rappelé les 400 ans du Québec déjà, et puis on m'a rappelé l'importance de ce geste politique qui était de fumer bleu, blanc, rouge dans le ciel de Québec. Et donc là vraiment, la mission de la Patrouille des France est particulière. On a la chance de véhiculer, je pense, une image positive, donc d'essayer de susciter des vocations et puis de véhiculer du rêve. Donc ça, je pense qu'on en est conscient, qu'on soit en France ou à l'étranger. Maintenant, ce qui faisait vraiment plaisir, c'est que pour la première fois, une population qui finalement ne savait pas quelque part qu'on pouvait exister, quelque part, tellement on est loin, situé loin géographiquement, eh bien, prenait conscience de tout, encore une fois, cet aspect diplomatique et politique et du geste qu'avait fait la France envers les différents pays, quoi. Et au-delà de ça, effectivement, découvrez une patrouille et puis certainement une aéronautique qu'ils n'ont pas forcément dans leur pays ou qui sont en train de développer ou qu'ils ont développé à travers leur patrouille nationale. Ça reste quand même quelque chose d'unique et d'historique, quoi. Depuis 1953, voilà, il y avait eu la Chine, il y avait eu déjà les États-Unis et quelques autres aussi, mais je dois dire que là, de faire autant de trajets, malgré tout, en un temps relativement serré, c'était quand même assez magique. À Miami, ça a été l'enfer. Au niveau préparation, on a même envisagé à des moments de passer par le Venezuela, etc. Enfin bon, des trucs impossibles, parce qu'il y avait une espèce de gros cyclone qui allait vers la Martinique et qu'on pouvait se payer sur le trajet. Donc on était assez tendu au niveau météo. Il est clair qu'on ne joue pas avec la météo. Se retrouver pris dans un orage tropical avec 10 avions n'est pas une solution d'avenir. J'en ai fait les frais en 2004, c'était en Inde, et je n'en garde pas un bon souvenir. La température, elle est uniforme au-dessus de l'eau, tu vois. D'accord. Dès que cette même masse d'air arrive sur la Terre, elle monte rapidement puisqu'elle est réchauffée par la Terre qui est chaude, ouais. D'accord. Et en montant, eh bien, il y a un phénomène de condensation parce que quand on monte rapidement, la température diminue. Donc elle se refroidit très vite, puis refroidissement rapide d'une masse humide, condensation, formation de nuages, voilà. Ah, ok, ouais. Donc le phénomène est super simple. Sauf que c'est très violent parce que ça monte très vite. Donc ça condense très vite, ça fait des grosses précipitations. Finalement, ça s'est bien passé. On arrive en Guadeloupe, on dit bonjour en passant avec les couleurs de la France partout sur l'île pour après arriver en Martinique, faire un tour de l'île et finalement se poser à Fort-de-France.
c'est la première fois que la patrouille de France met les pieds dans cette région de France. Donc l'accueil était à la hauteur, mais c'est surtout le retour, parce que là, l'aller finalement, on passait simplement en étape. Hein. C'est au retour où on a fait la démonstration. Mais c'était quand même une étape sympa et particulière, parce qu'on était en France. Au milieu de cette tournée, on revenait en France, et puis on était attendu, très attendu. On les accueille ici, nous on est une base aérienne un peu esselée au milieu des Antilles et du continent américain, avec la Guyane, et on est là pour soutenir tous les aéronefs de passage, dont la patrouille de France, qu'on a aussi devant vous. Ouais, ils ne sont pas magnifiques ces appareils? Super. Après toute cette première partie de convoyage qui a été quand même difficile, hein. C'est un convoyage avec les décalages horaires, avec deux vols par jour, les horaires difficiles. Le fait d'arriver finalement dans les îles avec l'ambiance qu'on peut imaginer là-bas et l'accueil des Français de toute la base, qui sont comme des gamins quand ils arrivent, qui voient les avions bleu, blanc, rouge pour la première fois sur leur île, c'est vrai que c'est sympa. Et ça fait oublier toutes les contraintes qu'on a pu avoir avant, ça c'est clair. Soubi ne croit pas si bien dire. Les organismes ont souffert pour arriver jusqu'à Fort-de-France, mais les machines aussi. Sous la houlette de Welcome, le chef de dépannage, les mécanos sont sur les dents. Sur le 8, les motoristes David et Jean-Marie ont une panne particulière qui nécessite un échange moteur. Au début, on a pensé que c'était la Geneta qui elle-même. On l'a changé et puis en touchant le faisceau, la panne est revenue. Là, le problème, c'est qu'un faisceau électrique, on n'en a pas, et c'est plus long à changer un faisceau électrique que changer le moteur lui-même. Comme la dernière fois, donc je pense qu'on doit avoir une grosse pression dans le visage. La poisse encore, pour Fred, Rico, Waga et Bruno, qui ont un clapet de surpression fuselage à changer sur le zéro, suite à une fuite de carburant. En fait, il y a le carburant qui passe dans la pressurisation. Et donc ça, c'est pas normal. Et même Pedro, notre Schumach, qui a attendu la Martinique pour faire sa première intervention. Redresser une trappe de train, du vrai travail d'orfèvre. On sait un petit peu à peu près les pannes qui peuvent survenir. Donc on prévoit un certain nombre de matériel pour y remédier. Il y a des pannes qui sont plus ou moins fréquentes, auxquelles on ne peut pas s'adapter. Donc ce que l'on fait, on essaie d'intervenir donc, par différents moyens. Donc tout ce qui est, par exemple ici à Fort-de-France, nous avions donc une base qui est militaire. On va profiter à ce moment-là d'avions de liaison pour faire rapatrier du matériel supplémentaire en fonction de la consommation des pièces qu'on a eues durant la première partie de la tournée. Première chose qu'on fait, on vérifie que le parachute est bien accroché. Donc on prend les suspentes, on le secoue dans tous les sens. J'ai oublié JP. Si ça bouge pas. JP est armurier. Il gère la partie siège éjectable de l'avion et l'armement. Enfin, les fumigènes de la patrouille. Pour la mise en place du descendeur. Il dispense une instruction un peu particulière aux pilotes. Là, on en prend deux. La survie en cas d'éjection en milieu équatorial. Le plus facile. Ce qui comprend l'utilisation du harnais et ses procédures. Enfin, tout ce qu'il faut le savoir pour descendre d'un arbre de 80 mètres de haut. Et que là, vous vous retrouviez coincé pour remonter tout le reste des éléments. Parce qu'après la Martinique et les Caraïbes, c'est la forêt amazonienne qui m'attend. Donc on change d'environnement et par-dessus le marché, on change d'hémisphère. Sacré programme pour arriver au Brésil. On attend que le jour se lève et là on y verra plus clair. Cet après-midi sur la deuxième étape, il y a un symbole puisqu'il y a le passage de l'équateur hein, qui aura lieu donc, en patrouille. Et donc pour certains personnels de l'unité, eh bien, ça sera la première fois. Parce que moi je l'ai jamais franchi. Casque, la radio, l'oxygène s'est évaporé. C'est symbolique, mais c'est sympa. Première militaire. Non, c'est pas ma première militaire, mais c'est ma première en alpha aussi. La dernière, certainement. Mais bon, j'espère que les pilotes nous réservent une petite surprise. Nous, on aime bien ça, les surprises. Thank you.
du jour. Ouais, c'est extraordinaire. Ta grand-maman. Mais je l'ai déjà fait, mais bon, on verra dans l'avion, mais c'est vrai que c'est... Je pense qu'on va... Ouais. On va fêter ça. Je pense. À notre arrivée. Ouais. Et toi, Poup, c'est la première fois? Non, deuxième. Et le fait que de la passer en étant dans la patrouille, en plus en place arrière, c'est... Ah oui, ça va être nouveau aussi, ça va être sympa, je pense. Enfin, on verra à l'arrivée, mais vraiment, c'est sympa. Je l'appelle mon Poups parce que c'est vraiment... C'est mon ami, c'est mon mécanicien, c'est celui à qui je fais une confiance absolue pour préparer mon avion pour le vol. Et c'est vrai que ces 2 mois, eh ben, on a vécu des moments en vol qui seront complètement inoubliables. On a partagé ces moments-là, et ces moments-là, on peut les vivre que lorsqu'on est dans un Alpha Jet au-dessus de cet endroit-là à l'instant T. Et ça fait que, ben, une fois qu'on se posait, on se disait quand même, quelle chance, quoi, quelle aventure. Il y a plein de légendes, il paraît qu'on se retrouve à l'envers, que l'eau tombe dans un sens. Enfin... C'est, je crois que ça doit être des légendes urbaines, ça. Moi, je crois que c'est du chiqué, mais bon, on verra. On verra sur place. Vous allez faire quelque chose de particulier en vol? On va essayer. Joël. Surprise. Pour l'instant, c'est top secret. Si je te le dis, je suis obligé. C'est fini pour toi. Le voyage s'arrête ici, si je te le dis. Je sais pas si c'est la première fois qu'elle passe l'équateur, elle a déjà le passé, mais en tout cas, pour nous, ça va faire quelque chose, ouais, c'est sûr. En plus, on a passé par Cayenne, après Belém, c'est l'Amazonie, quoi. Vous allez marquer le coup en vol ou pas? Ouais, on va essayer de faire quelque chose. La surprise. Dans l'avion, physiquement, ben, on le verra grâce au GPS, aux instruments qu'on a à bord, où on va passer de coordonnées nord à des coordonnées sud. Donc il n'y a aucune matérialisation au sol, ni rien, on ne s'en rend pas compte dans l'avion. Juste avant le passage de cette ligne, prendre une formation un peu particulière qui va représenter un E majuscule, hein, avec l'ensemble des Alpha Jet, ce qui permettra, ben, encore une fois, de marquer ce passage de l'équateur. Donc c'est vrai que de faire cette étape-là avec son mécano, c'est vraiment extraordinaire. Et parce qu'on partage beaucoup de choses durant toute la saison, durant tout l'hiver. Et puis là, quelque part, la récompense, on l'a tous les deux ensemble. Dans l'avion, qu'on prend soin nous-mêmes, quoi, hein, et donc en fait, de partager ça ensemble, c'est vraiment sympa. À genoux, moi vous obéirez, plus la sentence sera terrible. La déesse Ino vient me dire que vous envisagiez de traverser les océans. Les équipages de transport en vieux routier du ciel sont fidèles à leur tradition. Vous êtes autorisé à embarquer à bord de ce vaisseau battant pavillon du Potam. Pour le Touraine, c'est Neptune en personne qui a fait le déplacement. Lorsque vous changerez d'hémisphère. Passage de ligne. Le monsieur a franchi l'équateur. Pour le Franche-Comté, c'est la Grèce graffitée. Qui c'est qui descend en premier? C'est un géant. C'est un peuple fier qui doit être davantage considéré à la mesure de ce qu'il apporte à l'économie, à la stabilité du monde, à la culture. C'est un géant démographique, c'est un géant superficie. Et politiquement, c'est un partenaire indispensable pour la France. Le rôle d'un président, c'est aussi de se battre pour aider les entrepreneurs, pour aider les entreprises. Et vous savez très bien que dans ces grands contrats, la dimension politique, au bon sens du terme, est présente. Parce qu'on achète des produits, des équipements, mais aussi on regarde qui les fabrique. Et quelle est la parole de celui qui les fabrique. On doit faire du concret. Penser à la crise qui a frappé et créer les conditions
pour retrouver de la croissance. Dans ce Brésil fantastique, ici, Brésilia, ville qu'ils ont pensé il y a 50 ans qu'il y aurait 500 000 personnes, il y en a des multipliés par 4, par 5. Et c'est ici que la France doit être. Le Brésil, c'est le cinquième pays du monde en superficie et en nombre d'habitants. C'est environ 14 fois la France. C'est aussi notre plus grand voisin et un partenaire économique et politique de premier ordre. C'est donc une mission de représentation hautement symbolique qui m'attend à Brasilia, mais aussi à Rio et à Natal. C'est leur 14 juillet national, le 7 septembre, c'est la fête nationale de l'indépendance. Donc eh bien, on va défiler, on est invité pour défiler lors de ce gros défilé militaire. Elle s'est montée autour d'une date, c'était septembre, Brasilia, le défilé. Donc c'est vrai que quand on arrive à Brasilia, je me souviens, on s'est dit ok, ça y est, on y est. On y est, on est arrivé à l'heure, donc maintenant il faut que le défilé se passe bien. Pour l'instant il fait beau, donc il n'y a pas de raison, quoi. Bon, après il faudra revenir, il faudra faire le reste parce qu'il n'y a pas que Brasilia finalement. Mais on s'est dit ça y est, on est arrivé à l'endroit de tous nos efforts pour faire ce qu'on nous a demandé de faire. Encore une première, quoi. Comme le passage de l'Équateur, maintenant encore une autre première défilée lors de la fête nationale à Brasilia. C'était un moment particulier, un peu de pression, même beaucoup de pression. Le président au sol et il y aura la patrouille de France avec les couleurs françaises au-dessus de Brasilia, donc on est super fiers tout simplement. C'est comme le 14 juillet en France. Le 14 juillet en France, c'est un des moments, en tout cas pour le leader, des plus stressants. Parce que bon, pour les équipiers, c'est quelque chose d'assez simple, finalement, de faire un défilé et tenir sa place. Pour le leader aussi, sauf que la pression, il n'y a pas le droit de se louper, quoi, hein. Il faut être à l'heure, au point, au bon moment, dans la bonne formation. C'est juste pas imaginable de pas le faire, quoi. Donc à Brasilia, on avait exactement la même pression, sauf qu'en plus, on était à l'extérieur. Intégré dans un défilé ou à la radio, ça parlait brésilien. Donc moi j'avais un pilote en place arrière qui était brésilien et qui me traduisait ce qui se disait à la radio de temps en temps. Patrouille de France. C'est Mathieu. Négatif. Pelo que eu entendi, o pessoal do solo, eu acho que eles vão iniciar em mais 2 minutos no máximo, pelo que eu entendi. Ados, on passe 118-8. On passe 118-8. Je rejoins mon axe d'attente, et au loin, sur l'avenue des Trois Pouvoirs, le défilé bat son plein. «
spectacle haut en couleur, très sud-américain. Mais je vois aussi d'autres ambassadeurs de l'excellence française qui sont venus tout comme moi porter haut nos couleurs. Musique. Là, même si on n'est peut-être pas mis en avant comme on l'est dans d'autres endroits, c'est tout aussi important, je pense. On était le bras armé de la diplomatie française. C'est ce qu'on appelle la diplomatie aérienne, en fait. C'est de faire de la diplomatie avec des avions de chasse. Il quoi, Jacqueline? Ok, t'as voix de la proue de la base. Mais c'était vas à Rio. N'oublie pas de monter là-haut. N'oublie pas de monter aussi haut que le Corcovado. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Mon premier objectif, à peine arrivé à Rio, une séance photo de légende. Imaginez-vous les 8 Alpha Jets immortalisés devant la statue du Christ Rédempteur et la ville de Rio en arrière-plan. Un vrai casting de stars. À la technique, le 9 pour les images, Pilou et Lolo pour les commentaires. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour les photos? Eh bien écoute, c'est un peu le problème. Il va falloir passer au-dessus, je suis sûr qu'il est au-dessus le petit Jésus. Je suis sûr qu'il est au-dessus des nuages. Il a les pieds dans les nuages. Mais ce n'est pas mon jour. Le Christ est India Mike. C'est-à-dire qu'il est pris dans la crasse, inscrit dans les nuages et qu'il n'est pas prêt d'en sortir. Comble de malheur, le contrôle aérien de Rio nous fait tourner en rond devant la ville sans pouvoir s'en approcher. Il est dedans les nuages, oh merde. On le voit un peu là, non? Voilà, ouais. Hop. Ça y est, il est là. Vite. Moi, je pense qu'on va pas avoir des masses de fuel pour faire tout ça, en fait. Que c'était sans compter sur les Brésiliens. Bah oui, il n'y a pas de problème pour le passage et tout. Blablabla, attendez un peu encore. Attendez encore un peu. Ludo souris. Écoute. Ben, vu la météo, j'ai fait un peu avec l'heure des lots avec les montagnes derrière. On va charger l'axe d'attaque et on va prendre le Jésus par devant, d'accord? Et on va la faire au départ, là, directement arriver en fait entre le Jésus et le pain de sucre. À peine bon. Je vois plus le Christ, donc on va essayer de passer par la baie, hein, Ludo, on va improviser. Oui. Le vol photo et toute cette dimension-là de. Qu'on peut appeler finalement nous, qu'on peut voir de l'extérieur comme de souvenirs. En fait, c'est pas des souvenirs, c'est surtout en fait une image que l'on va véhiculer de la patrouille de France, mais au-delà de ça, de la France. Donc, une photo de la patrouille de France aux couleurs bleu, blanc, rouge sur le Corcovado à Rio, c'est pas un simple souvenir de vacances. Ça peut être utilisé autrement. Donc, c'est une véritable mission. Mais coupé, top. Ah putain, maintenant. Il est en plein dedans, quoi. J'y crois pas, ça. La fumée est top. C'est où, Jésus? Mais il doit être à droite, juste à droite. Et on voit pas. Il est dans les nuages, alors. Il vient de passer à droite, pour moi. Quelle est la prévision du temps d'espère pour la patrouille? 5 à 10 minutes. Ouais, la météo est en train de se conchier. Je pense que ça se conchie aussi sur Santa Cruz. Je pense qu'on va faire... on va rentrer, là. Il y a une attente de minimum 10 minutes. Ah, quel dommage. Mais oui, j'ai envie de dire.
Mais coupé, top. Comment on va faire pour mettre la, dans la plaquette la patrouille de France à Rio, quoi, si on peut même pas faire la photo des bois? Hey Tonio, on va faire les plages depuis Ipanema, là, on va descendre... C'est une véritable déception. On va dire que cela fait partie des aléas. En guise de consolation, Soubi obtient du contrôle aérien de pouvoir rentrer en remontant les plages de Rio, dont celle où je vais me produire. Demain, j'en suis sûr, il fera beau. Faire une démonstration sur la plage de une des plages de Rio les plus connues, c'est quand même extraordinaire, tout simplement extraordinaire. Et puis Natal, c'est la même chose. Hein. Au Brésil, en particulier à Rio, la plage, c'est une institution. Les gens vont à la plage tous les jours, hein, même quand ils travaillent. Donc on a pu rencontrer vraiment le public brésilien, le public de Rio et de Natal. Ça se présente assez bien puisque la météo est bonne. Il y a énormément de gens sur la plage. Voilà, les avions sont prêts à décoller. Voilà, les bouées sont toutes là. Tout va bien. Le public est venu en masse. Les acteurs, eux, se chauffent en coulisses. Le spectacle va pouvoir commencer. Mais justement, les acteurs, profitent-ils vraiment du cadre dans lequel ils évoluent ? Se rendent-ils compte que sur 4 km de plage, près de 100 000 personnes vont vibrer pendant 30 minutes ? Avant, on y pense, au cadre dans lequel on fait une démonstration. Après, on y pense. Mais pendant, en fait, on ne pense qu'à ces points de repère qu'on a vus sur la carte. Et j'ai dit, OK, ben moi, je tourne à tel endroit, tel immeuble, c'est mon repère, tel rocher, je dois passer vertical. Non, je ne regarde pas le paysage. Et le public, maintenant ? Voit-il justement tout ce qui se passe dans la patrouille? Tout ce que subissent les pilotes, les avions? Dans le doute, allons voir ça. Pour les villes d'eau, les intérieurs, top. Exactement, top, top et top. Qui la tranche, top. À la gauche, c'est top. Top, top, top. Paris, top. Et on y va. Aucun. 10 minutes d'inclinaison. Et pour la gauche. À la gauche. L'inclinaison est stable, montée, top. Et montée, impeccable. Comme on dit, il faut toujours être devant l'avion et pas derrière, quoi. Parce que le gros défaut, c'est de subir. Et là, il faut vraiment anticiper énormément lorsqu'on fait une présentation. Et moi, c'est ma façon d'anticiper, c'est-à-dire que je m'annonce à voix haute la prochaine figure. Tourne à gauche. Et tourne à gauche. Et angle, top. Prendre 7 ou 9 G en instantané, c'est pas dur en soi, mais le maintenir, ça c'est plus dur. Donc c'est vrai que pour se motiver un peu plus, éventuellement il peut y avoir des cris de sophro-acceptation progressive, enfin tout ça, des choses pour aider à tenir. Voilà. Point final en 3 temps, top.
top et top. Mais coupé top. Un tout de bien. Ok. Impeccable. Attends, check. Attends, check. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est comme ça que s'achève mon escapade brésilienne. Toutes les bonnes choses ont une fin. Demain, cap au sud vers l'Argentine et sa capitale, Buenos Aires. Mais ceci est une autre histoire. De la patrouille de France en Argentine sera un des grands événements marquants de cette année. Il y a eu de toute façon un grand épisode qui s'est fait à Buenos Aires avec le survol de la ville aux couleurs tricolores et aux couleurs bicolores argentines. Je crois que ça a été un signe très fort, une couverture de presse exceptionnelle qu'il est passé en direct. Ils y ont vu en fait le signe d'une grande amitié entre la France et l'Argentine. Je voudrais souligner aussi l'extrême gentillesse de l'armée de l'air argentine qui a accueilli la patrouille et l'ensemble du groupe avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'honneur. Par la présence de leur présidente, Madame Cristina Fernandez de Kirchner, je me sens l'invitée intime de tout un pays. L'émotion n'en est que plus vive en voyant nos hôtes entonner la Marseillaise. On avait constamment des pilotes qui nous ont vraiment mâché le travail. Pour les passages, on était avec eux en vol et ils se sont vraiment bien occupés de nous. De l'étape la plus au sud. On va bientôt aller vers l'étape la plus à l'ouest. Aujourd'hui, effectivement, il y a un invité de marque. La
jamais été aussi proche de la Cordillère des Andes. Hein. Stonio. Donc l'info du plafond c'est bien monté, hein. Donc je sais pas ce que vous avez là-bas, là c'est a priori c'est monte. Tout ce qui est démonstration aérienne plaît énormément au public, il n'est pas très habitué à en voir, en tout cas pas en voir du niveau de ce que peut représenter la patrouille de France, et donc il s'est massé effectivement en nombre sur la base aérienne cet après-midi. La météo ne m'aura pas épargné pendant cette tournée. Hier pourtant, j'ai pu déployer mes ailes pour l'entraînement série. Malgré un temps déjà menaçant, toute l'équipe gardait l'espoir de colorer le ciel cordobais en bleu, blanc, rouge. C'est variable ici entre 1000 et 1100 pieds, ça bouge un petit peu. Par contre, il y a des passages, tu vois là, de temps en temps, il y a des petites barbules qui passent à 7-8. C'est la sécurité qui prime avant tout. Et là, c'est une décision qui appartient vraiment véritablement au leader. C'est lui qui a la responsabilité des 7 autres personnes qui l'amènent en vol. C'est en s'en rendant conscience qu'il décide si la série est faisable ou pas. Il y a je ne sais pas combien de personnes qui nous attendent sur le terrain pour la démonstration. Il n'y a que nous. Donc tout tombe à l'eau si on ne vole pas. On était en direct et on disait la patrouille de France va arriver dans 5 minutes. Et donc là c'est vrai que décider de bâcher, comme on dit, de ne pas voler, c'est difficile à prendre. Le remplaçant, c'est le pilote le plus expérimenté de la patrouille. J'attends énormément de ce coup de fil. Donc il faut qu'il reste le plus factuel possible. Il ne faut pas qu'ils me disent des paramètres extérieurs. On t'attend, si tu bâches, ça va être catastrophique, des choses comme ça. On essaie de le conseiller, on est là pour préparer la foule à éventuellement une mauvaise nouvelle. J'étais, comme je l'ai dit avant, épaulé par mon équipe. Les minima n'étaient pas stabilisés à 1000 pieds, ils étaient à 700 voire 500 pieds des fois. Et c'était très mal pavé, avec un contrôle inexistant. Donc en fait, on ne pouvait pas revenir sur le terrain avec des conditions, ce qu'on appelle IFR, c'est-à-dire des mauvaises conditions. Donc à partir de ce moment-là, avec une région montagneuse, je ne pouvais pas prendre le risque de faire décoller les 8 avions. Est-ce qu'on a une très grande tristesse, une très grande déception? Je crois que les Cordobais l'ont bien compris et restera dans leur cœur, en tout cas, le souvenir de l'effort qu'a fait la patrouille pour venir jusqu'à Cordoba. Et puis, je crois, la gentillesse de tout le personnel qui a bien voulu partager, discuter avec les gens qui étaient venus. Bien sûr qu'on est déçus. Il ne faudrait pas que cette belle fête qu'on aurait pu avoir se transforme en drame. Donc, même si c'est difficile à prendre ce genre de décision, je pense que c'est la bonne décision. Il faudra attendre le dîner d'adieu pour voir l'équipe retrouver le sourire et profiter une dernière fois de l'hospitalité de nos amis argentins. L'aéronautique française a toujours marqué l'aéronautique argentine dès le début, avec l'épopée de Mermoz et Saint-Exupéry. Donc je pense que c'était important de faire participer l'Argentine au sein de cette tournée sud-américaine. On a survolé quand même la Cordillère des Andes, on a vu la Aconcagua. La Cordillère des Andes. La Aconcagua, la Cordillère des Andes. La Cordillère des Andes, ça nous a fait tous penser à Mermoz, Guillaumet. Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry. Comment ne pas rendre hommage à tous les pionniers de l'aéropostale qui volaient sans relâche, en bravant les éléments, pour acheminer le précieux courrier entre la France et l'Amérique du Sud. Permettant de ce fait de raccourcir les délais de livraison, 8 jours contre 23 par bateau. On écrit tous les jours, l'avion doit voler tous les jours, vous volerez par tous les temps, vous arriverez à l'heure. La venue de patrouille de France a été ressenti à Buenos Aires comme à Cordoba comme un véritable événement
et un vrai cadeau que faisait la France à l'Argentine. Et je crois que pendant deux jours que nous avons passé, hier et aujourd'hui, nous avons travaillé ensemble. Parce que quand il a besoin de quelque chose, il a demandé à M. Chinois ou quelques des autres mécaniciens. Et tout le monde a la volonté de pouvoir solutionner les problèmes ou les nouvelles qu'il y a à la patrouille de France. C'est l'aventure humaine. Ouais, on prend la place arrière, allez. Ah, parce que les mécanos, fallait pas les inviter. Hein. Ils râlent tout le temps. Moi, je pars plus en vacances avec lui, c'est fini. Ils râlent tout le temps. Moi, on m'a toujours dit un mécano qui râle, c'est un mécano en bonne santé. Ah ouais. Bah, ils sont vraiment en forme. Hein. Faudrait que t'as consulté, toi. C'est reparti pour un vol mythique ? Yes, j'espère. Il faut juste qu'il y ait la bonne météo, mais normalement, il paraît que c'est pas mal. Un vol mythique, ah. Exactement. Le truc qu'on fera peut-être qu'une fois dans notre vie. Normalement le sommet qu'on voit à 1h30, hein, d'accord. Eh ben, c'est le sommet le plus haut, quoi. C'est la Aconcagua. Ça, Chili, 199. Nous voulons partager les meilleurs souhaits avec vous et ayez un très joyeux jour ici. Merci beaucoup, nous sommes très heureux d'être ici. C'est touchant, hein. Heureuse en tant qu'ambassadrice de France d'accueillir d'autres ambassadeurs non institutionnels mais sans doute plus connus et plus populaires que sont les membres de la patrouille de France. On ne peut que se réjouir de voir arriver de tels messagers dans les pays amis et en particulier dans ce pays qui nous accueille, le Chili. La France tenait à manifester son amitié en prélude aux festivités du bicentenaire de l'indépendance du Chili. C'est une sacrée expérience professionnelle parce que c'est pas évident tous les jours d'amener une dizaine d'avions dans le ciel sud-américain. Et surtout, c'est une expérience humaine extraordinaire. Extraordinaire parce que ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'on est tous ensemble dans des conditions qui sont des fois pas vraiment évidentes et pour l'instant bah, la cohésion est maintenue donc c'est formidable, ça marche, l'équipe fonctionne. Je suis super fier de mon équipe, je suis super fier des mécanos, des personnes qui nous entourent, qui nous supportent et puis des pilotes aussi qui composent l'équipe parce que aujourd'hui tout le monde s'est donné à fond, de la première personne à la 60e personne du détachement. Et on a offert au public un beau spectacle, je pense. Alors, on a les deux rappels. Bonjour. Non, c'est pas. C'est buenos dias. On n'est pas en France, donc là, on représente notre drapeau français, hein, qu'on peint en bleu, blanc, rouge dans les différentiels des différents pays qu'on a survolés. Et c'est vrai que c'est une grande fierté. Une petite pression, je dirais, la pression, c'est toujours un petit peu la même. On est toujours quand même assez concentré, on essaye, on donne le meilleur de ce qu'on a.
mais c'est plus le côté un peu exceptionnel de tout d'un coup de regarder à la cassette ou au débriefing que bah, derrière en fait bah, le fond d'image c'est la Cordillère des Andes ou c'est Fort-de-France, on se dirait c'est vrai, on a quand même fait la série à tel ou tel endroit quoi. Au Chili, on a été invité pareil pour la fête nationale et pour faire cette fois-ci à la fois un défilé et une démonstration. C'était un très grand honneur pour la patrouille de France et bien d'avoir la chance d'évoluer dans le ciel chilien. Era un gran honor para la patrulla de Francia poder evolucionar en el cielo chileno. C'est vrai que la visibilité n'est pas sans sas à Santiago du Chili, mais on a toujours eu beau temps. Et puis, participer à un défilé national, c'est toujours plaisant. Un petit regret aussi au niveau de la tournée, c'est qu'on n'ait pas pu faire partager cette expérience aux trois jeunes Schtroumpfs, c'est-à-dire ceux qui vont arriver l'année d'après. Parce que ça aurait été vraiment très appréciable pour eux d'avoir cette expérience-là, pour derrière en faire profiter l'équipe quand ils seront, eux, aux manettes. Hein. Alors, Bruno, tu portes tes marques, là. Ouh là là. Il y a du boulot, hein. Ouais. Chaud. Ça va le faire. Le fait qu'il y en ait un qui puisse se libérer pour venir jusqu'à Santiago du Chili nous rendre visite, c'était une petite bouffée d'air frais. Je suis venu au Chili, j'ai fait le tour du monde pour les retrouver, t'imagines ? Attends. C'était quand même sympa, moi ça m'a permis de... Il était là pour pas nous remotiver, mais ça nous a permis quand même d'amener un peu de sang neuf pendant quelques jours et puis de partager un peu, donc c'était très chouette. T'aurais pas été à leur place là ? Oh là, tu peux pas savoir. Je me ronge les ongles tout le temps, j'attends. Ça va venir bientôt, faut être patient. Avec un cadre comme ça, je pense que ça pouvait être qu'un succès. On peut pas rêver d'un plus beau cadre, effectivement, avec les Andes derrière, c'est magnifique. Ouais. Très belle série. Excellent, super cadre, c'est merveilleux. Face aux Andes, c'est historique. Ouais, il y en aura d'autres, non ? Il y a déjà eu des jolis cadres, il y en aura sûrement d'autres, mais celui-ci... Je pense que la patrouille n'est pas prête de le refaire. Hyper content parce que c'était un peu dur, mais on l'a fait cette série beau temps quoi, de l'autre côté de la Terre, parce que là on est quand même au point le plus éloigné de la France. Quoi. On est de l'autre côté des Andes et on a fait une série beau temps. Voilà. C'est une grande fumeuse. Il paraît que vous êtes un grand fumeur, une grande fumeuse. C'est ce que dit le ministre. Non, non, non. Mais je vous ai vu en train de fumer. Un poquitito. Yo muchito. Hey, foque, foque. Y hemos podido apreciar hoy día el profesionalismo. Ils ont pu apprécier aujourd'hui le professionnalisme de la patrulla de Francia. De la patrouille de France. Y con un símbolo que nos identifica a ambos países.
avec un symbole très fort qui nous identifie les deux pays ensemble. Et l'azul, le rouge et le blanc. Le bleu, le rouge et le vert. Et le bleu, blanc, rouge, pardon. Ah, excuse-moi, on m'appelle une urgence. C'est une opération à cœur ouvert et comme je suis le seul spécialiste, il faut que j'aille opérer. Avant, on pensait qu'à l'aller, qu'à la mission. Et là, à partir de ce moment-là, même s'il restait encore des missions très importantes sur le chemin, dans nos têtes, on pensait déjà au retour. Au retour, à se dire, OK, bah, il va falloir remonter par le chemin inverse. La météo va être forcément plus mauvaise. Ça va être plus difficile parce que la mécanique a souffert. Les avions ont souffert. Les gens, ça fait un mois et demi qu'ils vivent ensemble avec des contraintes au niveau plage de travail, au niveau décalage horaire. De maintenir une cohésion de groupe est forcément plus difficile, même si on a l'habitude de vivre ensemble. Et donc, il y a des beaux souvenirs comme la traversée du Groenland, les Andes, certains accueils. Mais j'ai ce souvenir aussi qui me marquera tout le temps, c'est cette journée-là, cette étape-là, qui est, c'est vrai, la loose du début à la fin. Et ce qu'on peut appeler la voie de Murphy. Hein, mais en fait, c'est vrai que ça casse au début, ça a du mal à partir. Finalement, on part l'après-midi, donc on va faire qu'une seule étape. On va dormir donc à Assomption, au Paraguay, ou Uruguay, je ne sais plus. Et la météo n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'ils annoncent des cunimbes, des orages, des gros orages. Et puis là-bas, les orages, ce n'est pas des orages de Mickey. Hein. Et ils en annoncent sur l'arrivée. Donc bon, on part quand même, puisque la probabilité n'est pas si forte que ça. Bon, quand on arrive sur place, on est face à l'hélice avion, on est face à un mur d'orage qu'on ne peut traverser, qui monte jusqu'au niveau 500. Donc à force de contournement, on n'a plus beaucoup de pétrole et donc je prends la décision de nous dérouter sur Resistencia, qui est un petit terrain au nord de l'Argentine. C'est la première fois que ça nous arrive, un déroutement durant la tournée. On le redoutait tous. Et finalement, c'est arrivé. Et c'est là où l'équipe, la résilience de l'équipe est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est à un endroit où on ne s'était pas prévu, en plein milieu de la pampa, dérouté. Et là, chacun fait son job et ça se passe super bien. On va y arriver. Et on arrive à converger vers l'objectif que le lendemain, on va pouvoir repartir à 7h du mat. Alors qu'on n'est pas du tout dans les conditions pour le faire. Là, j'ai pu prendre en conscience lors de cette mission que finalement, que je pouvais avoir confiance en mon équipe. Et qu'elle était vraiment, comme je l'ai dit, résiliente. C'est-à-dire face à n'importe quoi finalement, après ça, n'importe quoi pouvait, on était nettement plus fort. N'importe quoi pouvait nous arriver. On était capable de s'en débrouiller. Et là, j'ai vraiment appris. Ouais. Alors l'état de santé du personnel se dégrade ? Oui, malheureusement, ça se dégrade parce que la fatigue apparaît. Les conditions météo ne sont pas très favorables. Il y a des alternances de chaud, de froid. Y compris dans l'avion, les clims de l'Hercule ne sont pas très fabuleuses, très intéressantes. Et puis c'est vrai que la fatigue, avec des levées depuis plusieurs jours à 3 à 4 heures du matin, des couchers tard, pour des contraintes aéronautiques, fatigue beaucoup les gens, là. Ils commencent à être très fatigués, très crevés. Ouais. Attendre et tuer le temps, c'est la seule solution avant le feu vert pour la Guyane et des cieux plus cléments. Pendant que Paco gratte le terrain de déroutement, Willow, lui, a trouvé une alternative pour s'occuper l'esprit. Remonter le temps et mesurer l'ampleur du travail accompli jusque-là. Heading for the city lights, 975. Sharon and Jonathan, mirroring all the
top. Enfin, Big Bang, on a 3-2. Big Bang, top. On a eu quand même pas mal de chance hein, pendant cette tournée, hein, parce que la Guyane, bah, on est tombé pendant un tir Ariane. Ça c'est fantastique. On va d'ailleurs essayer de le matérialiser cet après-midi en faisant un vol de la patrouille sur fond d'Ariane érigé sur son pas de tir. C'est vraiment super symbolique parce que ça montre vraiment que la France a un savoir-faire particulier au niveau aéronautique et spatial. La preuve, on est capable d'emmener une des patrouilles qui est une des plus reconnues, une des mieux reconnues dans le monde à Kourou sur une base de lancement française. La base aérienne de Rochambeau. C'est une plateforme dimensionnée pour accueillir tous les moyens aériens prévus pour la protection du centre spatial guyanais. Les Mirage 2000 venus de métropole ou bien les Fennec MASA sont les outils de base de cette mission de sauvegarde de la fusée. «
Je ne peux évidemment pas manquer l'occasion d'afficher nos couleurs à leur côté. C'est exceptionnel, je veux dire, c'est la première fois que la patrouille fait sa présentation dans le ciel du VNA. Le numéro 4 qui est le charognard, qui me remplacera l'année prochaine, qui est le commandant Guyot. Ils ont vraiment une disponibilité énorme, quoi, parce qu'ils ont à peine descendu de l'avion, qui sont disponibles pour le public. Virginie a fait une belle dédicace à mon fils et il a même eu le droit de poser en photo. Chapeau, donc c'est très très gentil de sa part. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de public français et puis voilà, les gens ils sont contents, je pense, de nous voir. Malheureusement, on a fait de l'intermédiaire parce qu'il y a quand même des nuages, même s'il fait beau, mais on était quand même bien contents de voler là. Ouais, c'est super. Vous savez, la Patrouille de France dispose de plusieurs programmes en fonction des conditions météorologiques. Le programme beau temps, le programme intermédiaire et le programme mauvais temps. Je suis un tout petit peu déçu par les nuages, en fait, qui nous ont empêchés de faire le cœur, faire la série beau temps. Mais bon, si le public est ravi, c'est parfait. Performance exceptionnelle, quoi, des pros. Les figures, les solos, c'était impressionnant. On peut pas dire un détail, tout est magnifique. Moi, c'est quand ils se croisaient les deux. Quand ils se croisaient ? Moi, c'est quand il y en avait. On avait un qui allait tout droit, comme ça, et que l'autre, il tournait autour. Et je suis très mal placé pour être objectif quand je vois la Patrouille de France. Moi, je suis toujours particulièrement ému de les voir évoluer. Et je crois que cette émotion est partagée par l'ensemble du public, avoir l'enthousiasme, la ferveur des gens qui applaudissent à chaque fois qu'il y a un passage. Très émouvant. C'est très bien. C'est très bien pour la Guyane aussi. Parce que ça développe, je pense que la Guyane a besoin de se développer, donc ça amène de l'activité, c'est très bien. Ça fait connaître la Guyane. Bah, ça permet de se rapprocher de ce qui se fait ailleurs, enfin ce qui se fait en métropole, et de raccrocher un petit peu nos enfants de la connaissance de ce genre de choses. Un médecin volant, un médecin qui consulte. Quel bonheur d'être invité parfois à voler en place arrière, qui trouve toujours autant de plaisir et qui a la chance d'être conduit en vol par un pilote charmant, agréable et d'une grande courtoisie et d'une technicité que je n'évoquerai pas. C'est le pilote de la patrouille. Comment ça va ? Hein ? Ouais, ça va mieux rien ? T'as récupéré en bas là ? Bah, un peu, ouais. Admis, il faisait combien ? Bah, je sais pas, mais il y avait de la glace partout, quoi. Donc, gros stress, là. Ça va, puis à un moment, tu m'as tremblé partout. À un moment, tu. C'est bien passé ce petit vol là, entre Cayenne et Fort-de-France ? Bah maintenant qu'on est tous là, ça s'est bien passé parce qu'il y en a deux qui ont failli se dérouter en fait. Voilà, on avait notre numéro 3 qui avait un problème de clim et il avait très très froid parce qu'elle faisait plus de chaud. Donc voilà, et du coup, ils ont dû descendre un petit peu avant nous, mais heureusement ils ont une pétrole pour venir jusque là. Donc c'est bon. Donc tout va bien ? Tout va bien, on est content. Là j'y vais où ? J'ai vraiment eu très très peur. Je suis pas habitué à tout ça, et là j'ai eu très très peur, je veux dire. Ça c'est des pannes qui arrivent fréquemment ou c'est... Non, c'est sa première. Dire que ça va. Sa première. Ça va. Ah, ça va plus, ouais.
froid, là. Et puis là, t'es... Bon, c'est hyper ventilé. C'est là que vous avez pris la décision de... C'est un problème de température cabine. Il était en plein froid, bloqué. Donc au niveau 340, là, il fait très froid. Donc au bout d'un moment, il ne pouvait plus trop supporter. Donc au bout d'une heure de vol, grosso modo, elle a commencé à descendre. Et puis lui, franchement... Ouais, ça m'a tué, ce vol. Pareil. Allez. Vous avez la crème, ou il n'y avait que toi qui était en... Ah non, non, on est tout pareil. Hein. Donc vous êtes tout bleu, on est en pute. Les non, ça va beaucoup mieux là. L'idée de descendre en bas là, c'est super. Vous avez trouvé la température qu'il faisait dans la cabine? Non, ouais, ça se termine bien. Il ne faut pas que ce genre de problème arrive sur une étape où il n'y a pas de terrain déroutement, du style Reykjavik, entre Kangerlussak et Reykjavik. Là. Où là, je pense que ça finirait aux vapeurs à l'arrivée, parce que c'est que de la mer entre les deux. Donc. Soit tu fais demi, si ça doit arriver au plus mauvais moment, au point de non-retour. Voilà. Là, au moins, tu as quelques terrains sur la route, tu as des îles là qui sont qu'on peut utiliser, mais certaines étapes, c'est pas le cas. Donc, voilà. C'est un moment où tu te vois partir en fait. Ouais. Tu te vois. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais, c'est ce que. Ouais. Mais oui. Mais tu dois partir. Ce... Alors, comme c'est pour ça que Brett est venu voir un moment. Somnolence. Tu vois un gros coup de flip, quoi. Le cerveau gelé, oui. T'as tout qui gèle. C'est pour ça que je. Tu vois plus les cadrans. D'avoir tous les cadrans sont tous gelés derrière. Il neige. Il faut descendre tout de suite dans ces cas-là. Ça va, bah ouais, ça va, mais il fait vraiment froid, quoi. Plutôt au calme aujourd'hui. Hein. Je dis qu'il reste au calme un peu, c'est vrai. Non, mais c'est pas anodin. Il a déjà deux pannes. C'est pas anodin, ouais, mais. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais... 100% d'humidité, 35. Merci Paco. Hein. On va faire un pipi d'abord. Et puis non, non, bah, vas-y, peur. Fais plus une clope. Vas-y. Bon, bon allez, on va regarder, toi. Merci d'écouter Radio Caraïbes International. Place à l'actualité, Caraïbes Matin. Après un long périple en Amérique du Sud, la Patrouille de France vient faire son show au large du Malecón. Dimanche prochain, vous pourrez assister à ce spectacle incroyable. Avec nous en studio, l'enseigne de vaisseau Haute Flambard, chargée de communication des forces armées aux Antilles. La population est invitée à se rassembler sur le front de mer de Fort-de-France pour assister de 10h30 à 11h au show aérien. Une manifestation qui rentre dans le cadre des 75 ans de l'armée de l'air. Ok, c'est même pas un décollage, on fait un décollage PS de box, donc les AF, le 4 interruptions. Chacun rentre dans le vol à sa manière. Ginny, sanglée dans son cockpit, fait corps avec son avion. En se rappelant à voix haute les gestes qui sauvent, les procédures de sécurité au cas où, les figures particulières. Tout ce qu'il faut pour se sentir bien, prête à en découdre avec les lois de la gravité. Je coupe la clim qui est là. Et j'essaye de continuer à monter, si ça monte pas, sera éjection à ma position là. Et là. Mesdames et messieurs, la Patrouille de France 2009. Sur la droite. Alors, ils vont pas les cadrans. Là, je suis extra... Il n'y a pas de mots. Merci pour le spectacle. Merci. Et je pense que ça va susciter des vocations. Top. Alors, on a 3-2. Et Bang, top. Alors, et puis ça fait des courbes et tout, hein, mais c'était différentes couleurs. Des croisements, il y avait beaucoup de croisements. Croisements et tout. Il y avait des croisements, c'est vrai. Ça, c'est des images absolument extraordinaires qui restent dans la tête. Il y a les sourires, une ferveur qui était quand même très, très touchante et très marquante. Voilà. Virage top. Arc son top. Talent. Sur la lampe. Top. Un étatement intermédiaire en deux top, c'est un étatement top. 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 Cadence. Pour un évitement. Cadence. Évitement top. 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 Top
une tranche, stop. Vers la gauche, accès. Alors, la sortie, stop, colle. Marie, stop. Stop, et on y va. Aucun. Coup de palette, stop. Alors, ceux se sont croisés comme ça, il faut la distance. Hein. C'est hein? Impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant. Et je ne sais pas qu'ils avaient enlevé tout sur la mer, parce que si ça avait touché, ça aurait fait du dégât. Hein. Ah. Dites-moi, à quelle distance de la mer vous avez évolué? Une centaine de mètres. Ça fait comme si c'est. Voilà, ils se croisent, ils se crachent et tout, mais bon, voilà, c'est une réussite. C'est bon. Par rapport à la côte, par rapport au port, il y a une distance réglementaire qui est de 230 mètres, mais ouais. L'altitude minimale ouais. Des avions, c'est 100 mètres. Donc c'est très visible pour ceux qui seront... Oui, c'est assez spectaculaire parce que très visible. Et vous nous disiez que le fait de passer et de le faire sur la baie de Fort-de-France, vous trouvez ça assez intéressant comme du site. Comme d'avoir eu l'opportunité de le faire à Rio ouais. Ou à Santiago du Chili. À chaque fois, on se déplace, on rencontre d'autres sites qui sont tout aussi merveilleux les uns que les autres. Bon, celui-ci il est une connotation particulière puisque c'est la France et qu'on n'est jamais venu jusqu'ici à cause de l'éloignement. Donc on est vraiment très heureux d'avoir cette opportunité d'évoluer dans le ciel de Fort-de-France. C'est pas demain que la patrouille de France reviendra à mon sens parce qu'elle est loin de ses bases. Vous vous rendez compte, venir de Salon de Provence, ça a nécessité quand même un périple assez important avec tous les problèmes techniques qu'on peut imaginer, les autorisations de survol. Tout ça, on sait que derrière, il y a des heures de travail, il y a du professionnalisme et tout se déclenche au top, sans une bavure. Enfin, pour le spectacle, c'est merveilleux. Tunnel, avance. Rassemblement, top, coup de palette. Je vais couper, top. Alors là, c'était génial, je dis, bien sûr, même plus. En fait, toutes les figures étaient impressionnantes. Surtout quand ils se croisaient. Hein. Et puis le cœur à la fin. Le cœur, oui. Le cœur, on y va, pour ça. 231, 331. Séparation, top 1. Moins 1, moins 2. Maximé, moins 3. Moins 5, moins 6. Enlève les plumes. Maximé, top 1. La caravane suit, on arrive à raccrocher, même avec 24 heures ou 48 heures de décalage, mais on arrive à raccrocher tout le monde. Et la seule chose que je puisse leur dire, que ce soit à nos mécaniciens, comme aux mécaniciens des avions de transport, c'est ben, bravo, les féliciter, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, ce sont les travailleurs de l'ombre. C'est vrai que souvent, ils sont là tôt et partent très tard, parce qu'il y a du travail sur avion. Et à chaque fois, le lendemain, eh bien, on peut redécoller, les avions sont bons. Et on leur doit, c'est grâce à eux. Donc un grand chapeau à vous, messieurs. Je suis heureux pour les forces armées, heureux pour l'armée de l'air, heureux pour la patrouille de France, parce que la démonstration était exceptionnelle. Puis je suis heureux aussi pour la Martinique, qui avait relativement souffert l'hiver dernier, et qui, avec des tels événements, reprend bon espoir et envie de se remobiliser pour faire des choses nouvelles. Le travail n'est pas terminé. Effectivement, il y a encore un défilé à Washington. Certes, ce n'est pas une série, mais c'est tout aussi sérieux et il faut le faire avec la même rigueur, le même professionnalisme. Et puis moi, mon souci, eh bien, c'est de ramener tout le monde à bon port. On a encore des étapes délicates avec de la mauvaise météo, certainement, et bon, des terrains un petit peu hostiles. Donc pour moi, la mission sera terminée à Salon de Provence le 13 octobre. On rentre tout petit à petit vers la maison. Donc. Là, ça commence à faire long d'être séparé de vos proches, donc c'est bien. C'est bien, on se rapproche. Là.
la patrouille de France qui est partie dans le ciel américain pour effectuer ses démonstrations. Dans le cadre des 75 ans de l'armée de l'air, les Alpha Jets ont effectué une grande tournée mondiale qui s'est achevée avec ses figures acrobatiques au-dessus de la Virginie. Guillaume Debray et Laure Bignalet y ont assisté. Ils sont bien sûr des militaires de carrière, les Top Guns de l'armée de l'air française. Mais sur les tarmacs du monde entier, ces pilotes chevronnés se transforment tout d'un coup en ambassadeurs. C'est un JT un peu atypique, car aujourd'hui, c'est le journaliste qui fait la vedette. Guillaume Debray, correspondant permanent aux USA, fait un sujet sur la tournée, et plus particulièrement sur la raison de ma venue ici, à Washington. Le survol de la victoire commémorant la bataille de Yorktown. Pour ce faire, il va embarquer en place arrière du 5, afin de s'imprégner de l'atmosphère symbolique de cette mission. Mais avant, il faut être déclaré bon pour le vol, en passant entre les mains du doc, qui seul pourra délivrer le fameux sésame. Explication. L'examen général, là, il est compatible avec un vol dans le cadre d'un examen sommaire fait dans une configuration spéciale pour ce vol VIP. Donc, quand on vous annonce une évolution, ressources, virage, boucle, vous allez être tassé sur votre siège. Je vais être ou je dois être? Vous allez être. Okay. C'est-à-dire que là, votre tête va peser 3, 4, 5 fois plus son poids, parce que ça dépend du facteur de charge. Et pour que vous le supportiez physiquement sur le plan ostéo-articulaire, il ne faut pas être de travers. Il faut que je sois bien dans l'axe. Ouais, dans l'axe. Okay. Si je tourne de l'œil, je suis une chochotte. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que vous sachiez, c'est que le vol qui vous est programmé est un vol. Pépère. Pas pépère, mais en restant dans l'axe, en vous brêlant correctement, en respirant normalement, en sachant que vous n'allez pas être soumis à des trucs catastrophiques, hein, sauf dans certaines phases de vol qui sont très très brèves, qui ne sont pas impressionnantes, mais qui sont étonnantes. Hein, qui sont étonnantes. Ben, si vous restez comme ça, le vol se passera merveilleusement bien. Oui, il y a beaucoup d'appréhension quand même. Hein. Sans faire la chouchotte, là, ouais, c'est un rêve de gamin, parce que la patrouille de France, c'est un truc qu'on regardait quand on était petit. Mais quand il s'agit d'être dedans, je suis content, je vous en parlerai après. My grandmother came from France on a boat. Long, long, long time ago. C'est vrai qu'on n'a pas fait de démonstration, mais on a fait voler des personnalités américaines ce jour-là dans nos avions. Et puis, il n'y avait pas énormément de public en bas. Mais j'ai des regrets au niveau du passage aux États-Unis. Disons qu'on aurait pu plus se montrer. Voilà. On aurait pu plus se montrer aux Américains qu'on ne l'a fait réellement. Mais symboliquement, c'était quand même assez fort au niveau des relations franco-américaines. We go in medium altitude, we descend in low altitude, we perform the fly pass, and after. Hey, Jose, it's HK. Le décor est planté. Tout est prêt pour le show. Ludo, de son côté, peaufine les derniers détails avec le contrôle américain. Comme par exemple les niveaux de vol et les points tournants. Et top, c'est parti. Le plan de vol est approuvé avec un flegme très anglo-saxon. Maintenant, cela se passe de commentaires.
tricorne derrière. Je vois rien. J'arrête à droite, ça s'incline. En bas. Je dégauche ici, maintenant. Vive la France, vive la Bretagne, c'est ça. Ils ont des chapeaux. Hey, vive les Bretons. Il m'est difficile de faire un bilan de cette aventure, tant elle a été rythmée et incroyablement riche en enseignements, sur le plan professionnel et personnel. La mission a été accomplie et bien accomplie. On a l'impression d'avoir été dans un film passionnant qui a duré 2 mois et de revenir au point de départ. Alors, rien n'a changé, mais tout a changé en même temps, quoi. Il s'est passé quelque chose. C'est une tournée qui, je pense, nous a tous marqués et qui, d'une certaine façon, nous a tous fait changer un petit peu. On vit quand on part en détachement, on vit pendant 2 mois et demi pareil tous ensemble. Sauf que là, la différence, c'est qu'on était des nomades. Et que les horaires et le rythme du travail ont fait qu'on a mis à rude épreuve la cohésion du groupe. Et finalement, ça l'a rendu plus fort à la fin. Au moment de clôturer cette boucle de près de 50 000 km, je pense à tous ceux qui, depuis 1953, animés d'une passion sans limite, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas d'ego qui sont mis en avant, c'est un groupe, voilà, c'est un groupe soudé qui représente, voilà, les pilotes de chasse, l'aéronautique, notre drapeau. Et c'est ça qui fait masse, qui fait bloc quand on se déplace à l'étranger. Voilà. Que vraiment il y a quelque chose autour de ce groupe, autour de cette présentation en vol, qui est très fort. Ça c'est une évidence. D'année en année, l'équipe change, se modifie. Mais l'esprit qui l'anime, qui fait battre le cœur de la grande dame, ce qui fortifie son âme, reste et restera le même. Je pense qu'il y a vraiment une cohésion particulière au sein de la patrouille de France. Je compare ça à l'âme d'un détachement, finalement, quand on est en Afghanistan, quand on est au Tchad, à Djibouti ou ailleurs. Il y a toujours une âme. Les gens sont tout le temps ensemble pendant quelques mois ou pendant quelques semaines et ils se créent une âme. Donc à la patrouille de France, c'est tout le temps comme ça. Donc ça fait ça plus de 55 ans que ça dure. Et voilà, cette âme, on essaye de l'entretenir, mais elle se fait naturellement, si j'ose dire. Et humainement, c'est tellement fort, la patrouille de France, que forcément, elle vit et elle a une âme. Ouais. Elle a une âme qui évolue, qui n'était pas la même, je pense, quand elle s'est créée, en 1953, qui a évolué, qui évolue encore et qui évoluera encore. Hein. Et puis elle a l'âme vraiment de l'équipe qui la compose. Hein. Elle était différente en 2009 qu'elle était en 2010, qu'elle était en 2008. Mais elle garde, en tout cas ce que moi j'en connais de mon niveau, elle garde quand même le même objectif. Hein. Donc en fait, ce sont des pilotes, des mécanos, des secrétaires, etc. qui travaillent tous pour la même cause. Et au final, et ben, ça fait le ressenti du public sur la patrouille de France, voilà, qu'on essaye de faire au mieux. Je crois bien qu'on voit le...